Il est là, les 73, 51, Gilles. Eh bien, ah, j'étais surpris parce que j'avais rien juste avant. C'était le silence radio. C'est vrai que je suis étonné parce que attends que je me déconnecte de Facebook parce que alors là ça fait cacophonie dans ma tête, je vais rien comprendre. les SDR ils sont que j'entende tout. Oui non mais c'est vrai que là j'ai pas compris quoi. C'est j'avais personne, mais personne. Et là, paf, j'ai pas eu le temps de voir le signal, mais bon, tu m'arrives bien, quoi. Ah ben, premier contact aussi, hein. Ouais, mais c'est... Attends, j'essaie de faire deux choses. Premier contact aussi, hein, d'ailleurs, bah, de toute façon, là, j'étais pris là sur Internet par la même occasion. Et bon, bah, la station allumée, évidemment, premier contact également. Et surprise! Bon, alors, comment vas-tu? Comment est la météo de ton côté? Bon, t'as vu du mien là, bah, il pleut là, en ce moment même. Hein. Ah la vache! Ah oui d'accord, là tôt... c'est quoi ça? Non. Ah oui d'accord, là c'est ouais c'est pas top. Alors que nous, ça va être plutôt Noël au balcon, là, vu comment c'est parti, quoi. Parce que là, combien j'ai vu tout à l'heure, ah oui, si, 14 degrés. 14 degrés au mois de décembre, alors qu'il n'y a pas longtemps il gelait, c'est à pas comprendre. Ah, j'entends quelqu'un. Ouais, bon, j'ai attrapé là le WebSDR de Ottawa. Alors, le WebSDR de Montréal-Laval, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à l'avoir. Je sais pas si c'est pareil de ton côté, si tu as été voir sur le WebSDR de Montréal-Laval, mais là, il est, on dirait qu'il est hors ligne en ce moment. Je sais pas si c'est lui que j'entends un peu derrière. Pas sûr. Ah,
Oh bah là non. Je t'entends pas. Ok, merci pour le retour. Les 73-51 retournés à lui, que je n'entends pas du tout là de mon côté. Ah, quand même. Ah, ah. Là, si. Eh bien, de mon côté, c'est très très QRP, mais j'ai réussi à l'entendre un petit peu. Hein. Bon, bien sûr, c'est totalement inaudible. Alors, les 73-51, lui, 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33 sur la Gironde. Thank you.
Bon, ok. J'avais fait un nettoyage du navigateur et forcément mes petits réglages perso sur le web SDR d'Ottawa, je les avais un peu perdus. Je l'entends dedans. Oh, c'est QRP. Ouais, c'est très QRP. Oh, j'ai entendu quelqu'un là, j'ai pas compris d'où ça arrivait. Les 73 de station, 14 km, 3301, le sud-ouest France. Il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. Et 73 Québec-Canada, 14 km, 3301 Rémi, Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Le sud-ouest de France, je n'ai pas compris parce qu'il y a beaucoup de monde ici, c'est la même pas dans le gros armée, Pascal. Je vous ai dit le monde. Ok, Pascal, et 73 51 de Rémi. À bientôt, merci, bye bye, parce qu'il y a beaucoup de monde là, d'ici, la copier là. Gilles, retourne le micro. Ok, eh bien, il s'agit de Pascal, 9 Papa Alpha Tango, après j'ai pas noté les numéros. Voilà, Pascal, tu le connais ? Ça y est, c'est parti dans le fond de la boîte, Hachi. Je suis là, les pètes, continuez avec Gilles. Bonjour, bonjour, et bonjour, Gilles. C'est toi, vous dites,
C'est trop ça. En local, ils s'entendent pas. Quoi. Et c'est comme nous. Hein. Je vois, moi, ici, là, où je suis placé, là, sur le département 33, sur la Gironde, eh bien, les stations du 24 de la Dordogne, eh bien, je les entends pas. Mais bon, là, j'en connais la cause. C'est une foutue colline qui fait mur entre eux et moi. Pour régler le problème, il faut que je déménage la maison, que je déplace la maison en haut de la côte. Ça va être chiant à faire. Ah, ben là, le Brésil. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est short. J'entends plus rien nulle part. Puis côté SDR, il faut que je pense à rebrancher mon haut-parleur Bluetooth là. Parce que là, j'ai l'écoute directe du PC comme ça à côté, on ne l'entend pas. Là, je pense pas qu'on l'entende dans la caméra. Dans la bande son qui est ajoutée après en superposition voix de gauche, oui, là, on entend. Ce qui veut dire que sur la vidéo, vous avez une meilleure écoute que moi en ce moment même. Ah si si, mais c'est vrai que j'entends pas grand monde. Hein. Et pourtant ça passe, hein. Puisque là j'ai un espèce de retour dans le web SDR de Ottawa. Ah oui, la vache, c'est même en train de monter là en ce moment même. Et tu oublies le soleil en lui-même, qui est bizarre aussi, vu les photos qui sont prises du soleil. Certains ont mis en avant une espèce de cratère, voilà, qui est une espèce de faille, qui s'est fait dessus, un truc énorme de je sais pas combien de centaines de kilomètres, ou milliers de kilomètres, je sais pas trop. Mais bon, c'est bizarre de tous les côtés, quoi. Hachi. Ah, ça me fait bizarre d'entendre ce retour. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est vrai que moi, c'est pareil. Hein. De mon côté, je suis obligé de monter un peu le volume. Bon, ça fait travailler un peu plus le DSP là, qui est là, moi, du coup, caché derrière, parce que j'ai déplacé le haut-parleur juste à côté du poste pour avoir une meilleure écoute. Ouais, au début, dans mon installation, le haut-parleur, j'ai mis complètement à droite, là, dans le meuble. Mais avec le meuble et tout, le son n'était pas restitué comme il fallait, c'était pas bon, quoi. Du coup, je l'ai déplacé, je l'ai collé pratiquement au poste, là, sur le côté. Et ben, comme toi, en fin de compte, toi, tu l'as mis au-dessus, moi, il est à droite, je l'ai collé à droite. Et du coup, j'ai le DSP qui est caché derrière, mais bon, je le vois travailler, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est pas évident, là. Faut jongler de tous les côtés pour arriver à sortir un bon son, quoi. Alors, côté logiciel, faudra que je regarde, mais je suis pas sûr de pouvoir améliorer quelque chose. J'en sais de rien. À vrai dire, mon logiciel pro, la Videopad, j'ai pas tout exploré dedans. Hein. Il va falloir que un jour là que je me mette vraiment à fond dessus, que j'explore les différentes astuces, les différents réglages, parce qu'au niveau du son, j'ai bien des trucs et tout ça. Mais faut vraiment que là je me penche dessus, voir si des fois il y aurait pas un DSP d'intégrer dedans également, qui permettrait de filtrer un peu mieux le son dans le montage vidéo. C'est oui, il va falloir que je regarde ça. Évidemment. Ah ben oui, alors si on parle technique, bien sûr, le DSP, lui, il te préserve les oreilles. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il fait le DSP. Il te préserve les oreilles de trop de bruit, quoi, de tout ça. Il te nettoie la bande son uniquement. Mais un vrai filtrage digne de ce nom, il est normalement fait avant que QRM rentre dans le poste. Et là, ok, d'accord. Donc, un vrai filtrage avant un filtrage genre NB, truc comme ça, ou je sais pas trop lequel, bien complet, bien comme il faut, bien efficace, avant que le QRM rentre dans le poste, plus le DSP en sortie sur le haut-parleur, et là, effectivement, là, t'as quelque chose de vraiment super QRO. Hein. Là, pour le coup, t'as le top du top. Alors c'est là où le choix du filtre n'est vraiment pas évident à faire, puisque... Attends, deux secondes. Bon. Oui, alors justement, c'est là où le choix du filtre n'est vraiment pas évident à faire, et là, j'y connais pas grand-chose dans les modèles. Il faudrait que les OM, là, de ton côté, OM radio amateur, surtout là de ce côté-ci, te donnent des marques, des modèles de filtrage d'entrée, à brancher ben entre le poste et l'antenne quoi, qui serait vraiment vraiment efficace. Là ok d'accord. Et il y en a, hein, il en existe, hein. On le voit dans certaines vidéos radio amateurs. Les mecs ils ont des trucs super propres. Mais quel filtrage ils ont derrière? Est-ce que c'est du filtrage intégré de leur décamétrique ou du filtrage rajouté entre le poste et l'antenne? Là après je sais pas.
Mais bon, déjà, c'est vrai que tous les postes ne filtrent pas de la même façon, loin de là. Que je passe en QRT. Et Cappuccino qui attend. Oui, oui, ça fait partie de la radio, soit, mais bon, t'es d'accord quand même que plus on mettra de filtres de qualité, et mieux, et plus la radio sera intéressante, passionnante. Parce que c'est vrai que là tu verras dans la vidéo de mon côté, bon, ok, j'ai un poste qui est pas trop mal. Il y a mieux quand même au niveau filtrage. J'en vois où là c'est vraiment super QRO et tout ça, c'est bien mieux et tout ça, mais après les prix sont pas les mêmes. C'est pour ça que tout en restant sur un poste de CB ou 28 mégas débridé 11 mètres comme tu as, Hachi, il doit y avoir moyen de trouver un vrai filtre à brancher avant le poste. D'ailleurs là, quand je trouve passer le micro, je vais faire un test là, je vais retirer le NB de mon côté puis le remettre. Là, j'ai enlevé le DSP. Sur la réception sur les oreilles, hein. Surtout avec les antennes, moi je dis que c'est très doux à l'oreille pendant. Ah, bah tu m'étonnes. Voilà, puisque tu as parlé du DSP, là justement de l'écoute DSP, je viens de faire un nouveau test là. Je l'ai enlevé, j'ai remis. Bah tu m'étonnes que c'est plus doux à l'oreille. Bah c'est le but du DSP, hein, de toute façon, hein. C'est vraiment son but, son job, hein, au DSP. Hein. Mais c'est vraiment du côté entrée dans le poste que là il faudrait trouver le filtre qui multifiltre qui puisse nettoyer tout ça, quoi. Bon, par contre, là, je vais devoir passer en QRT, Gilles. J'ai le cappuccino qui attend. Il est en train de chauffer. D'ailleurs, dans la vidéo, là, on doit entendre un espèce de ronflement, là, derrière. Un chut. C'est l'eau qui est en train de chauffer dans la bouilloire. Et puis, je vois une poche, là, sur la table. Oh, ça sent des petites gâteries, là, demi dedans. Oh, on va faire 4 heures, frangin. Hachi. Oui, parce qu'ici, toi, il est 4h05 PM. Donc, ben, toi, il est 10h05 PM. Voilà, c'est ok. Toi, t'es encore sur le matin. Ah, ce soir, je travaille. Donc là, ben, je verrai ça là tout à l'heure déjà là pour commencer à travailler ma vidéo. Et puis toi, ben, je verrai demain matin à la débauche pour télécharger les tiennes, frangin. Ah si, donc je te laisse. Désolé de t'abandonner comme ça à ton triste sort des QRM. Ah si. Mais j'ai le cappuccino qui me réclame. Tu l'entends pas appeler derrière là? Rémi, viens me voir. Ah tiens, tu vois, il m'appelle. Allez, je te laisse. Ah si. À plus tard. Et
J'ai pas tout compris. Les 73-51, la station que j'ai entendue en tout QRP, là, avec un signal d'un demi-point, 14 km, 33-01 Rémi, Dundee 33. Voilà, les 73 retournés à l'OM que j'ai entendu là, au loin, au loin, au loin. Qu'est-ce que tu m'as dit pour les vidéos? Ouais, faut que je regarde là, si je peux améliorer le. Faut que je regarde les filtrages, les réglages, là, du côté bande-son. Disons que. Ce logiciel, la Vidéopad, il est tellement complet que je découvre des trucs tous les jours. Hein. C'est hallucinant, il est tellement qu'il est complet. Quoi. Et il va falloir que je regarde ça, que je vois ça là pour essayer d'améliorer le filtrage sur le montage. Mais bon, ouais, enfin, je vais faire des tests, je vais voir ça. Allez, j'y vais. Les 73 à l'ensemble des stations qui sont en fréquence là sur le 27625, le QSO journalier des talents. Et oui, Gilles, je reste en écoute derrière de toute façon, hachi. Mais bon, petite écoute, puisque bon, je vais quand même maintenant faire un autre QSO avec l'XYL. C'est la moindre des choses quand même. Non, mais alors, les 73 à tous, à plus. Merci, bye bye à tous. Tiens, là on voit. Ah bah tiens, je vais pouvoir en profiter là vite fait avant de couper. Là, on entend crépiter là. Tac, là ça fait son travail. C'est vrai que la différence n'est pas tellement sensible. Déjà au niveau du signal, là ça monte à 2. Hop, là ça descend à 0. Hop là, désolé pour la caméra. Le DSP maintenant. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors j'ai bien un DSP là ici, là sur le poste. Ah zut. Mais j'ai du mal. Là, j'y comprends pas grand chose. Zut. C'est. Perso, ça me convainc pas. Là, ok, on sent la différence. Après, il faut trouver la bonne limite. Voilà. Là, ici, on rétrécit la bande de réception. Alors là, il y a intérêt à ce que la personne en face soit vraiment, vraiment bien calée. Donc pour une meilleure écoute, c'est au plus large. Voilà. Les 73-51 à tous, 14 km, 33-01. Et je peux baisser le son quand même, un peu quand même. Les 73-51 à tous, 14 km, 33-01. Rémi, Dundee 33, le département de la Gironde sur le sud-ouest de France. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.